Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera le dernier match de la soirée du 6 juin. Donc je suis maintenant en finale de la Consolante contre Ahmed, qu'on a déjà vu une fois sur la chaîne, je crois, et qui joue au niveau national. Donc je gagne le tirage bande. Donc là c'est en deux gagnantes maintenant, hein, je le sais. À moi la casse. Plutôt une casse correcte. Et donc je vais partir rouge. Là, je vais tout de suite jouer la rouge à côté de la noire qui était un peu embêtante. Là, faut déposer mieux pour pas se retrouver trop loin. Ici, on joue mieux, on recule un chouïa. Alors là, je pense que j'ai un peu plus d'angle et donc en fait, je fais un coulé pour m'arrêter dans la jaune. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. J'aurais dû faire un petit rétro et j'aurais vu la noire et j'aurais pu la mettre. Donc là, je suis pas total, en tout cas, c'est ce que Ahmed me disait. Donc je fais faute. C'est vraiment dommage parce que j'étais sur casse ferme là. Ça aurait été beau. Donc là, il a tout pour finir la table. Faut qu'il les prenne dans le bon ordre. Et qu'il libère peut-être quand même les jaunes proches de la noire. Il faut qu'il joue voilà, tout de suite cette jaune. Et en plus, voilà, il écarte un petit peu l'autre jaune. Là, malheureusement, il n'empoche pas. Mais moi, je suis gêné par sa jaune. Donc, je tente la noire en bande. Alors, je voulais faire une seule bande. Et je suis dégoûté. Vous voyez, on voit que je suis un peu déçu. Mais bon, c'est le billard. Donc, 1-0. Donc, il ne rentre rien à la casse. Je vais partir jaune. Voilà, donc c'est une belle replace pour la jaune qui est tout en bas. Et là, j'avance un tout petit peu et j'avais déjà anticipé de faire la jaune appui rouge pour la poche milieu. Malheureusement, vous voyez, je tape la joue de la poche. C'est dommage, ça aurait été pas mal. Donc là, le jeu est bien écarté. Toutes ces rouges passent. Ici, jolie finesse. Là, malheureusement, il vient de bloquer la poche pour la noire plus tard à gauche. Là, vous voyez, il masse. Donc, ça fait une petite virgule. Alors, c'est belle en poche. Malheureusement, il n'y a pas une super replace. Il tente la bande. Et il rapproche toutes mes billes de la poche milieu. Au moins, je sais où les mettre maintenant. Là, je suis par-dessus, mais c'est pas trop gênant parce qu'elle est vraiment en poche, la jaune. Là, il faut pas aller trop loin. Voilà, c'est parfait. Et là, il faut pas trop reculer. Malheureusement, je recule trop. Bon, là, ça me donne un angle qui me permet d'aller essayer de chercher la noire. Mais je n'empoche pas la jaune. C'est con parce que là, elle était mettable, la noire au milieu. Là, je pense qu'il aurait voulu se cacher derrière la rouge qui est près du spot de la noire. Malheureusement, il recule un tout petit peu trop. Donc, j'ai juste ce qu'il faut pour l'avoir. Et finir droit sur noir. Donc, je le sais pas à ce moment-là, mais le gagnant de la consolante remporte 10 euros. Et voilà. Donc, j'ai gagné. Je suis content. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que si vous débutez au billard, en persévérant un peu, vous pouvez devenir un joueur professionnel. Allez, salut!